Eh bien, bienvenue chez les Barbapapa. Pas exactement. Non. Nous sommes ici dans l'intimité, dans l'antre d'un joueur d'exception, jeune joueur. Lucas Dupont. Jeune joueur qui est en train de faire ses preuves et de marquer quelques points dans ce club qui nous est cher. Le FCG. Allez, allez, club. Et donc, nous allons vous proposer, pour cet Oscar Midi Olympique, de faire la connaissance de ce jeune joueur, ce jeune talent du rugby français, formé au centre de formation, puisque c'est un peu le but des centres de formation, en même temps de former au centre de formation. Il y a Barbatruc qui se transforme. Comme l'émission de télé, c'est de ranger sa chambre. Parce qu'on s'est aperçu... C'est le bordel, la chambre. Lucas Dupont, sans déconner. Lucas Dupont, ta chambre, c'est inadmissible. Quand nous étions au centre de formation, on était pénalisés. Centre de formation, à Grenoble. Donc ouais. on va ranger, puis on va te proposer une nouvelle décoration. C'est le thème de ce reportage, la décoration Brousé Magellan. Alors... Lucas, c'est un jeune joueur qui a quand même joué déjà pas mal de matchs, 43 matchs déjà en Pro D2. Combien ? 43 matchs en Pro D2, ce qui est bien si tu veux. Mais c'est quelque chose finalement qui nous fait... Tu vois, regarde, tu vois, ça c'est quand même... En même temps, voilà, le sponsor du club, hein, c'est important d'avoir quand même en même temps des certitudes comme ça dans le sport. 40 nuits sans moustiques, et bien ça c'est important aussi. Ça c'est pas très joli non plus, ça. Il faut savoir se séparer, c'est des mauvaises choses. Bien écoutez, je crois que c'est, hein, on y voit beaucoup mieux. Voilà, hein, voilà, là voilà, hein, là ça va. Pardon, ah, excusez-moi. Ah, faut tasser. Moi je suis, Olivier, quand même, fais gaffe à ces chemises, elles sont repassées et tout quand même. La lecture de Lucas Dupont, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, ça intéresse personne. Guy Bedos, non, je suis pas d'accord. Ça non plus. Comment marquer un essai? Vincent Clerc, mon idole. Alors, petite ordonnance du docteur Ciprelli. Ah, c'est bien, déjà de bonnes habitudes dès le début, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, chez un joueur, on me l'a dit au FBI, ils font toujours ça, ils cherchent qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la poubelle de Lucas Dupont? Alors, apparemment, il se lave souvent les oreilles. Et au niveau diététique, donc c'est surtout essentiellement du jambon, et de ce jambon, toujours quelques céréales, parce que c'est important les céréales. Ça, c'est l'équilibre alimentaire, et ça, c'est essentiel. Du citron, beaucoup de citron. Mais hein, des céréales sans une petite... Oh, merde, c'est tombé, désolé. Sans cette petite dose. Ça, c'est important. Mais oui, parce que... Important. Alors... C'est un complément alimentaire. Mais, faut, comme dirait Maïté, juste une c'est petite dose, là. C'est juste c'est une toute petite, voilà. Pas plus, parce que si t'en mets plus, après, non, pourquoi, ça... Non, c'est trop, ça. Ça, c'est trop, déjà. Alors, on apprend toujours beaucoup de choses de la literie, hein, du jeune rugbyman, effectivement. Donc, c'est du souple, hein. C'est du souple, ça, c'est du... C'est de l'épéda, c'est du multispire, hein. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut d'une manière générale pour avoir un bon sommeil, une bonne récupération. Les rugbyman sont très très superstitieux. Et Lucas Dupont, voilà, c'est des crampons qui ont marqué sur Lady Guerre. Il faut les mettre dessous. Alors pas n'importe comment. À Lady Guerre. Pareil que sur le terrain, c'est ce que nous a dit son entraîneur du centre de France. C'est un magicien. Alors il nous propose des tours de cartes comme ça. Moi je sais pas les faire. Oh. Alors. Oh, c'est dégueulasse. Romain, faut ranger tout ça.
Lucas, mais comment tu fais pour vivre dans un bordel pareil ? Range, voilà, ça c'est rangé. Olivier Brouzé est un artiste. Oui, je voulais rendre cet hommage à Lucas, qui est lui aussi quelque part un artiste, évidemment. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir cette petite touche artistique dans une salle de bain, c'est le plus important. Je veux dire, l'hygiène, oui, mais l'hygiène dans le beau, l'hygiène du beau. Le beau. Comprends? Bienvenue à Grenoble. Ça commence bien. Nous sommes dans le bureau du directeur Christian Rizzi. Excellent Christian Rizzi, du excellent centre de formation. Parle-nous un peu de ce jeune athlète. Lucas Dupont, un jeune athlète, oui, qui est là depuis 4 ans. Et c'est un jeune athlète qui a une marque de fabrique, c'est que c'est un garçon qui sait ce qu'il veut, déterminé. En 2008, il a un petit peu vu ce qui se passait ici. Sa motivation, c'était de s'entraîner avec les pros. En 2009, il s'est entraîné avec les pros. 2009-2010, il s'entraîne avec les pros, il se dit, tiens, j'aimerais bien faire un tour moins de 20 ans. 2 mois après, il fait 3 matchs avec les moins de 20 ans. L'année d'après, en 2011, il se dit, tiens, ça me plairait de jouer avec. J'ai pas compris, Christian, la date. Mais continue, J'essaye d'aller. J'ai pas compris la date. 2011. C'était dans 2012-2011. J'essaye d'aller aussi vite que lui, tu sais. En 2010-2011. J'étais sûr que t'allais le voir. Ouais. En 2010-2011, il se dit, tiens, eh bien, j'ai joué avec les pros maintenant, j'essaierai bien d'être titulaire avec les pros. 2010-2011, il gagne sa place de titulaire et aujourd'hui, je pense que c'est un titulaire. Voilà. Donc, c'est un garçon qui s'est toujours fixé des objectifs réalisables et qui, jusqu'à maintenant, les a atteints, enfin, sur le plan sportif en tous les cas. Parce qu'à côté du plan sportif, eh bien, il faut faire avec. Donc, sur son comportement au quotidien, c'est vrai que c'est un garçon qui aime bien manger par terre dans sa chambre, qui aime bien dormir un peu la tête à l'envers, donc un modèle un petit peu dangereux pour les autres quand même au niveau de l'entretien domestique. Au niveau des cours. Et on peut dire que l'objectif clairement 2012, c'est ranger sa chambre. Bah, hein? Je crois qu'il faudrait qu'il parte effectivement avec une sorte de label, quoi. Voilà, de label. De modélisation. Il faudrait que je puisse effectivement dire, voilà, Lucas Dupont est passé par là et le montrer comme exemple. Voilà. Est-ce que ça sera l'objectif qu'on pourra atteindre? Ce sera peut-être le seul qui ne l'atteindra pas d'ailleurs. Lucas Dupont. Aujourd'hui, c'est sa fête. Hein. Donc, on va le voir toute la journée. Ça va être très sympa. Ça a déjà bien commencé, comme vous le savez. Donc, on va continuer sur... Son lieu de travail. Exactement. Chez Schneider, fidèle partenaire du club. Du FCG. Du club du FCG. Voilà. Température extérieure moins. Lucas, fait. On te suit. Vous êtes dans un endroit inédit. Aucune caméra n'est jamais rentrée. Aucune. Et puis, c'est interdit, c'est marqué partout. Hein? Super. Merci, Lucas. Bonjour. Bonjour. Très bien, Romain, enchanté, ça va ? Bon alors on est où Lucas là ? Explique-nous. Ben, on est dans le labo. Hein. Ben, on voit. Donc Jean-Christophe, chef de la qualité au labo. D'accord. Très bien. Ah Lucas, international, bientôt. International de quoi ? Rugby. Ah d'accord, je crois. Déjà parce qu'au niveau de la métrologie, je suis pas convaincu encore, mais il reste encore à faire ses preuves, mais il est sur la bonne voie quand même. C'est un bon stagiaire, c'est ouais, ça va. Un élève appliqué ? Il a eu du mal au départ, un peu. Il s'est dit, est-ce que je vais y arriver, tout ça. Bah, il nous a dit, vous verrez, il y a des cons quand on va bosser. Il nous a dit, on n'est pas sûr d'entrer avec la caméra, parce que généralement, ils ne sont pas très sympas. Oh, si, ça va. Ça va, ça se passe pas mal. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je vois, il y a un fer à souder. Vous faites quoi? Des circuits électriques? Vous faites, je sais pas. Bah, les mecs, ils font pas grand-chose. Hein. C'est des tranches, ça pense, mais c'est tout. Ouais, ouais. Bon. Non, c'est le labo métro, c'est le labo des labos, en fait, c'est ça. La métrologie, c'est la science de la mesure, en fait. Ça veut dire science de la mesure. Non, mais expliquez-nous.
Ça veut dire science de la mesure. Donc en fait, toute mesure est normalement attachée d'une incertitude de mesure. D'accord. Et en fait, nous, on est là pour garantir. C'est pas intéressant, Mike. Par contre, ça fait combien de temps qu'il est là, Lucas ? Oh, ça fait bien 3 mois, 4 mois. C'est ça, et vous ne l'avez pas expliqué ce que c'était encore. Ça fait juste 3 mois qu'il est là, et c'est pas ce qu'il fait. Si, c'est intéressant quand même, vous êtes des... Hein, c'est sympa comme système. On va le laisser se démerder, il y a 2-3 fers à souder, il passe le balai un peu, il fait des trucs. La mesure, c'est quoi ? Mesure température, tout Mesure température, ouais. Mesure température, mesure électrique, mesure dimensionnelle. Bon, maintenant, tu vas nous faire une démonstration un peu, vraiment concrètement, de ce que tu fais ici. Un appareil de mesure, multimètre Kettley 2001. Une liaison USB-GPIB, un ordinateur avec le logiciel LabVIEW pour piloter les appareils à distance. Donc un petit programme que j'ai confectionné par mes soins, où on peut, alors, une face avant bien sûr, on choisit avec le petit doigt là, la sortie, 16. Pardon. Tu veux continuer tes études, travailler ou quand tu vas passer pro, tu vas te consacrer complètement à ça ? Là, c'est déjà la troisième année que je suis avec les pros et que je fais mes études, donc c'est assez lourd. Donc au moins l'année prochaine, j'ai envie au moins d'arrêter un an pour me poser un peu. Peut-être que je reprendrai quelque chose après, mais au moins l'année prochaine, je vais rien faire. Bon, et en même temps, commencer à 10h, finir à midi, ouais, ça c'est va, pas très ouais. lourd. Hein, comme... Par contre, j'ai remarqué, c'est un sponsor personnel, la marque Coin-Coin. Là, que c'est sympa, comme je connaissais pas. Tu vois, ça, c'est sponsor du club. Ouais, bon, c'est Marc de Jeune, ça. C'est pour ça, que tu dois peut-être pas connaître. Ouais. C'est bon, ça. Bon, allez, on te laisse travailler. Il faudrait que tu bosses un petit peu, quand même. Moi, je vais faire des expériences. Dans les vestiaires avec... Avec les joueurs. Les trois quarts. Trois quarts. Les grignettes, comme on appelle. Qui subissent Lucas tout au long de la saison. Donc on va commencer par son grand frère. Hugo. De 2 ans l'aîné de Lucas. Tu comprends, c'est Oscar Mirapi. J'ai du mal à comprendre parce que pour un ailier, on a l'habitude de l'entendre parler à deux à l'heure. Premier match qu'on a fait en équipe première à l'Alpe d'Huez à Tignes il y a 2 ans contre le Stade Français, il a oublié son maillot à l'hôtel avant le match. Donc déjà sans maillot, je ne sais pas comment il a fait pour se faire remarquer. Il a un problème avec le terrain de rugby. C'est un rectangle et il y a des lignes de touche sur les côtés. Et souvent, en début de saison, il avait tendance à sortir du terrain. Et il a eu le droit à un petit recadrage de la part de M. Corillon qui nous a bien plu à tous. Il lui a dit, tu sais qu'après la touche, il y a le banc de touche et qu'après le banc de touche, il y a les tribunes. Et après les tribunes, tu restes chez toi. Il fait quelques interventions dans les séances vidéo qui, je pense, plaisent à Fabrice. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu cet Oscar. Parce que du coup, il dort un peu au fond et d'un coup, il dit, il lève la main. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être donner la balle aux ailiers sur le premier temps. Donc du coup, il fait 2-3 interventions qui, je pense, marquent des points. C'était un match espoir il y a 3-4 ans. Pareil, on trouve une touche et le coach qui dit « Lucas, marque la touche !» Et donc Lucas s'est levé, a frotté la ligne de touche avec le pied pour marquer la touche. Donc voilà, petite anecdote de Lucas un peu paumé, un peu dans les vapes. Oui, bonjour. Bon, ben, je voudrais juste dire un mot au sujet de Lucas Dupont, que j'ai vu jouer plusieurs fois, à l'Edidier uniquement d'ailleurs, et où j'ai pu apprécier le nombre d'essais importants qu'il a marqués, et puis toute l'énergie qu'il met avec son club. C'est parfait. Qu'il continue comme ça, il va finir avec le maillot au bleu et le coq. Salut Lulu. Bah écoute, un petit mot pour te féliciter pour cet Oscar. Et pour cette saison flamboyante, hein, tu as flamboyé de toutes parts.
Je te félicite pour ton parcours et ton Oscar du midi olympique. Marre de regarder par la fenêtre avec ce maudit mallette. Il nous faut du temps, mais surtout de l'argent. Un peu plus de temps, ouais, je suis plus une enfant. Juste pour dire qu'on est les fidèles supporters du FC Grenoble rugby. On est là tous les dimanches, même quand il fait froid. Et que j'espère qu'ils vont vite remonter en top 14. Ouais, c'est des tafioles, les rugbymen. C'est des grosses tafioles, on les emmerde. Des grosses brutes, surtout. Des, voilà, grosses, des grosses brutes. Ils savent pas jouer. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Vincent, je viens de Metz. Je viens de la ville de Morgan Parra. Et je suis en vacances à Grenoble. Alors, allez, tous ensemble, on va supporter le FC Grenoble. Je sais pas pourquoi vous dire. J'ai connu le FCG, j'avais même pas 10 ans, oui, je connaissais déjà les Sdiguer, alors c'était déjà un événement. Et j'ai retrouvé dans ce stade quelques personnes anciennes et très laborieuses du rugby français, je dirais bien, ancien international, Jean de Rigorio, plus connu sous le nom de Nine, que je respecte énormément. Et lorsque nous nous sommes vus à un match il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « le rugby a bien changé, c'était autre chose de notre époque ». Alors bon, il y a eu des grandes années, il y a eu des années où on y a cru, puis ça a échappé, il y a eu un tas de trucs qui ont fait que... Donc pour Lucas, bah, Lucas c'est un très bon arrière, je le regarde souvent jouer, je connais sa famille, lui me connaît moins mais moi je le connais plus, donc c'est un gars, il faut qu'il reste à Grenoble le plus longtemps possible. Je lui vois une carrière à la Vincent Clerc. Donc c'est prometteur, j'espère qu'il arrivera et qu'il ira très très haut avec Grenoble et l'équipe de France. Voilà, bye bye. Bienvenue à Elle et Chirol. Dis-moi comment ça s'appelle. Hello. Rugby et Chirol. Sur ce stade, c'est ici que Lucas Dupont a commencé. Alors toi, Jean-François, tu as été son éducateur. Moi, j'ai été son éducateur de Marmouset à Benjamin. D'accord. Donc ça veut dire pendant 6 ans. Il était déjà, on va dire, à un niveau un peu plus élevé que ses collègues. Il a toujours été un battant et un gagnant. Il détestait perdre, mais pour ça, il se donnait les moyens. Comment il est en dehors de la vie? Tu es toujours en contact avec lui? Bah pareil, hein, toujours il sait ce qu'il veut, il se donne les moyens pour y arriver. Un peu trop exigeant, il est jamais content, il râle tout le temps. Rien ne lui convient. Il organise rien, mais rien ne lui convient. Et mais au final, il arrive toujours à ses fins, donc c'est bien. Alors, il était quand même presque destiné à jouer au rugby, hein, puisqu'on marche ici sur ce terrain. Et alors sa maison, on m'a dit qu'elle était juste à côté, c'est laquelle? C'est la dernière. Enfin, son ex-maison, son ex-maison il habitait là. Ouais. Là, ouais. Avec le petit cabanon, d'accord. Il y avait le fameux trou sous le portail, dans la légende. Grillage. C'est vrai? Ouais, la ouais. Légende. C'est-à-dire du trou dans le grillage. Il passait de chez lui à... Avec son grand frère. Avec son grand avec frère, Hugo. Avec Hugo, ils passaient là, les deux, on les voyait. Ils prenaient un ballon et puis ils jouaient tout le temps, ils nous regardaient. Moi je suis fier de lui, bravo. Je pense que s'il veut aller maintenant toucher plus haut, il va falloir encore qu'il travaille, parce que ça passe toujours que par le travail, l'envie et jamais baisser les bras. J'espère que tu continueras sur ta lancée et que tu arriveras encore plus haut parce que tu es un bon joueur, tu as des qualités et tu es un bosseur et c'est très bien. Et oublie pas tes copains. Ah, alors qu'est-ce que c'est ça? Hôpital. Un skieur encore. Un blessé de chambre. Un parisien. Alors le trou, il était là? Il était dans le grillage. Alors, le trou, là, je me sens que c'est, il était plus par là. Ouais. C'est là. Mais ils ont changé le grillage. Ah ouais, on voit le... Il y a encore le d'accord, passage. Ouais. Pas arraché. Oh, ces montagnes, c'est beau. En fait, c'est Christian qui nous a donné les clés.